السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية مع الجزء ريفيزيون 4 كما وعدتكم سيغ لي سون دو ريمان. إذن مفهوم الأر هو لا كيستيون دو شيرشي الأر إت أون كيستيون دوبوي لا نوي دي طون. L'homme a essayé donc pour des raisons de la vie courante, a essayé donc de calculer l'air. Il avait établi l'air d'un carré, d'un trapèze, d'un triangle. Puis ensuite, Archimède, c'est Archimède qui fut le premier mathématicien, qui a essayé donc de calculer l'air délimité par une conique, disons par un cercle. Alors l'air, c'est combien? Ou même par une parabole, l'air, c'était combien? Donc ce sont des questions qui ont été approchées par le mathématicien grec Archimède. Alors, la notion qu'on va présenter aujourd'hui, c'est l'œuvre du mathématicien allemand Riemann. Alors, il y aurait donc deux idées. Une idée fondamentale, c'est d'abord trouver l'air, comme vous le voyez ici, donc cette aire-là, qui dépend de x, donc c'est sur cette aire-là. Dans un premier temps, on va développer, si vous voulez, de manière théorique, qu'est-ce que l'air? Si j'ai là ma fonction et l'équation y égale à f de x, c'est la courbe bleue là, quelle serait donc la formule mathématique qui va me définir le s de x en fonction de f de x? Là, regardez, c'est entre ces deux droites là qui sont verticales. Bien, donc quand même un minimum d'hypothèse, donc je vais supposer que f continue. Je vais, si vous voulez, mettre le x et les dans un intervalle AB. Donc voilà. Donc je vais dire continue sur AB. Et pour fixer les idées, donc disons qu'il est positif. Continue positif. Positive. Voilà. Bien. Alors maintenant, notre question, comme je l'ai dit, c'est d'essayer donc d'évaluer cette aire-là. Alors une première approche, c'est la chose suivante. Donc je vais imaginer que j'ai ajouté, je vais calculer les variations de cette aire-là. Donc je suppose que ce point-là, que j'ai ajouté une longueur de delta x. Donc là, c'est que ce point-là, c'est x plus delta x. Alors, dans un premier temps, on va essayer donc d'évaluer cette aire-là. S de x plus delta x moins S de x. C'est-à-dire finalement, ce qui va nous rester, c'est cette partie-là. Parce que S de x plus delta x, c'est toute cette aire-là. C'est là. Et puis moins S de x, ce qui va nous garder cette figure-là. C'est, disons, c'est... Si vous voulez, c'est... lorsque delta x est très petit, on peut dire que ça, c'est un trapèze. L'explication, donc, tout de suite. Donc, je cherche quelle serait donc cette aire-là. Alors, on voulait répondre à cette question-là. On veut chercher cette expression-là. Alors, pour des raisons de mieux voir la chose, donc, je vais transporter, si vous voulez, ce terme-là, ici, pour le mettre... en clair. Voilà. Donc là, j'ai dit, il faut imaginer avec moi que lorsque delta de x, il est très très petit, je pourrais envisager que cette partie-là est rectiligne. Rectiligne, si delta x très très petit. Donc pour dire très petit. Avec le langage des mathématiciens, infiniment petit. Donc, dans ce cas-là, j'aurai une sorte de trapèze, si vous voulez. Donc j'aurai donc une formule de moyenne qui va me calculer ça. Donc, disons que ce C-là, et vous regardez là, suivez s'il vous plaît avec moi bien, parce que ça, on est dans le calcul différentiel, si vous voulez. Donc ce C-là, je peux toujours m'arranger de trouver un Cx, ici, de telle manière que l'air de ce trapèze-là, vous voyez là, ça se ramène à l'air d'un rectangle. Donc de largeur delta x et de longueur f de cx. Donc, de cette manière-là, j'aurai donc
S de x plus delta x moins S de x, c'est l'heure de, disons, de soi-disant ce trapèze-là. Il vient, on vient, de, si vous voulez, de vérifier que ça, c'est delta x multiplié par f de cx. Alors là, le cx, pour dire qu'il dépend de x. Donc, maintenant ça me fait rappeler le taux de variation. Donc, je vais donc écrire xs delta x moins s de x. Suivez, s'il vous plaît, parce que là, c'est une idée fondamentale. La suite, ça serait donc des applications de ça. Donc, je le divise par delta x et je vais trouver f de cx. Alors, maintenant, pour récapituler, j'ai dit que mon cx, là, elle est entre x, dans le cas de figure, et x plus delta x. Et le delta x sera destiné à tendre vers 0. Donc, si je fais maintenant tendre le delta x vers 0 en prenant la limite, donc je prends la limite, quand delta x tend vers 0, et là aussi, c'est la limite quand delta x tend vers 0. Alors, voici donc la surprise qu'on aura donc. Lorsque delta x tend vers 0, le théorème des gendarmes nous assure que le cx, il va tendre vers x. Et là, puisque, si vous voulez, donc là, f elle est continue, donc ça va me donner donc f de x. Ça d'une part. Et d'autre part, ça, si vous rappelez bien, ça vous définit la dérivée, le nombre dérivé au point x. C'est-à-dire, voilà la fameuse équation que je cherche, s' de x égale f de x. Voilà donc la relation qui lie à, jusqu'à présent, une première étape dans la voie de chercher le s de x en fonction de f de x. On y reviendra. Bien, donc nous avons abouti à cette relation-là. C'est-à-dire finalement que s de x, ce n'est qu'une primitive, donc, de la fonction f plus une constante c. Alors là, pour dire que grand f est une primitive, ça c'est par définition, de petit f. Cherchons à évaluer la constante c. Donc, s de a, dans le schéma, si vous vous rappelez, c'était comme ça. Donc, voilà a ici, voilà x quelque part ici. Et c'est s de x, c'est cette terre-là. Donc lorsque x coïncide avec le a, c'est-à-dire que le s de a égale à 0. Donc ce qui implique donc que c égale moins f de a. D'où finalement donc la formule donc, que je cherche de s de x, c'est tout simplement f de x moins f de a. Autrement dit, donc si je prends maintenant le b les quelconques, et je cherche à évaluer toute cette R-là, donc maintenant toute cette R-là qui m'intéresse, donc j'aurai donc l'air délimité par les deux droites, x égale à A, x égale à B, et une courbe positive. Donc cette R-là, c'est tout simplement, alors si j'appelle là l'air, grand A, c'est tout simplement grand F de B moins grand F de A, sans oublier bien sûr pas multiplié par l'unité d'air, donc unité d'air, ça dépend donc de l'unité des repères, et ça, c'est tout simplement dans ce cas-là, c'est l'intégrale de A à B, F de T, T, T. Voilà donc l'idée 1 fondamentale, et on va passer maintenant à la suite. Alors, continuons dans l'ordre des idées. Subdivision par des rectangles. Ici à gauche, vous avez le calcul de l'air par défaut, c'est-à-dire quelque chose inférieur à l'air réel. Vous voyez là, c'est vide là. Et là, en rouge, vous avez une air qui excède l'air effectif. Parce que là, les rectangles, ils sortent du domaine considéré. Donc, là, l'idée de Riemann, en fait, c'est qu'il subdivise l'intervalle en des rectangles comme ça. Et puis, il va prendre, lorsque le cas... Ça, c'est le pas. On va dire que c'est le pas de la subdivision, cette longueur-là. Lorsque ce pas-là est très petit, il va montrer que l'air, c'est effectivement la somme, la limite d'une somme que nous allons considérer. Mais, afin de bien voir ces choses-là, je vous recommande de faire l'exercice suivant. Exercice. Alors, je vais vous donner la fonction f de x égale 1 plus 1 demi de x au carré,
que vous allez bien représenter, s'il vous plaît, sur l'intervalle 0,2. Et puis, sur cet intervalle-là, je vais vous demander de le partager en 4, de pas 1,5, c'est-à-dire là, vous aurez donc de 0 jusqu'à 1,5, et puis de 1,5, 1, et puis de 1 à 3,5, et puis 2. Vous voyez donc combien vous aurez de parties, donc 1, 2, 3, vous aurez donc 4 rectangles. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver donc l'aire délimitée par cette courbe-là, si je l'appelle R, grand A, vous allez, par un calcul d'air, me mettre cet R-là en fonction, même vous allez démontrer que cet R-là, je pense, il est inférieur à 38 sur 8, 31 sur 8, et il est supérieur à 23 sur 8, via cette technique-là d'approximation. C'est un exercice très formatif. Bien, donc, dans la suite, nous aurons donc à étendre cette formule de Riemann par une formule que vous allez utiliser dans les suites et dans les limites. Bien, alors j'espère que vous avez fait le calcul que je vous ai demandé pour le cas de la fonction en rouge ici, c'est f de x égale à 1 plus 1,5 de x au carré. C'est une parabole. Regardez, là l'image de 0 c'est 1. Et puis l'image de 1, c'est 3,5, c'est à peu près ça. Et puis l'image de 2, ça vous donne 3. Simple calcul. Bien, alors je vous ai demandé dans une première étape de partager ça en 4 intervalles. Et puis, j'espère que vous avez fait le calcul et vous avez trouvé un encadrement de l'air. L'air, c'est ça qui est délimité par la courbe. Alors essayons maintenant de faire une simulation de ce qu'il faisait Riemann. Alors, pour Riemann, maintenant, voilà, mon intervalle là, ça commence de 0 et ça se termine par 2. Disons là que je vais appeler ça x0 et là xn. Alors Riemann, il va diviser cet intervalle en n intervalles de pas égal. C'est-à-dire là, je vais ma suite là, qui est croissante. Donc là, si vous voulez, le x0, il est majoré par x1, etc., etc., jusqu'à xn. Et j'ai dit le pas, il est régulier, c'est-à-dire que xk, c'est xk moins 1, c'est une suite arithmétique, plus la raison. La raison, elle est constante, c'est la longueur de l'intervalle divisé par n. Voilà, donc voilà la relation là. Alors maintenant l'idée, c'est d'essayer donc de calculer, voilà, supposons là que j'ai pris le x1. Le x1, il est là. Alors, mon premier intervalle qui va me donner l'air par défaut, sa longueur, c'est f de x1. Partons au cas général. Supposons que là, j'ai pris xk moins 1. Xk moins 1. Et là, j'ai pris xk. Xk, c'est le suivant, c'est celui-là. Donc, l'air, pour avoir quelque chose au-dessous par défaut, j'ai donc à calculer ces airs-là. Regardez, maintenant je suis en train de chercher un encadrement qui sera du type l'air c'est tout ça, et qu'il est supérieur à Sn et inférieur à grand Sn. Essayons de faire le calcul pour obtenir ce petit Sn là, l'air par défaut. Donc là, mon air c'est la somme de ces petits rectangles là. J'ai dit que, donc là, mes rectangles ils sont de l'air, donc je vais faire une sommation. Les largeurs, j'ai dit qu'ils sont constants, donc c'est 2 sur n. 2 sur n multiplié par la longueur. La longueur, pour avoir les rectangles au-dessous, donc il suffit que je prends f de xk moins 1. Je vais le prendre là, xk moins 1. Et là, k va aller de 1. Parce que, une fois, regardez là, si je prends x1, c'est-à-dire là, je tombe sur le x0 qui est effectivement la longueur cherchée, et je termine là le dernier bout. Donc là, regardez, ça doit terminer par celui-là, par f de xn-1, parce que xn-1 c'est celui-là. Donc là c'est n. Maintenant essayons donc de faire des calculs. Donc ça, je factorise par 2 sur n, et là ça va me faire ça, sigma. Alors, k allant toujours de 1 jusqu'à n, multiplié par donc 1 plus xk
moins 1 au carré fois 1 demi. Je fais mes calculs doucement. Or, le xk moins 1, d'après cette formule-là, puisque j'ai dit que xk, ça me donne, donc là, le terme général d'une suite arithmétique, ça me fait xk, c'est le x0 qui est 0 dans notre cas, plus kr, fois la raison. Ça va me faire 2k sur n. D'où xk moins 1, là, c'est calculable. Donc là, je vais obtenir. Donc 2 sur n, sigma de 1, k allant de 1 jusqu'à n, plus donc 1 demi. Alors là, je remplace, ça va me faire 4k moins 1 au carré. Je fais les calculs doucement pour ne pas me tromper. Ça me donne exactement ça. Maintenant, je développe cette somme-là qui est une constante, ça me fait 1 avec le 2 sur n, ça va me faire 2, plus le 2 sur n, là, ça me fait 8, ou ça me fait donc, ça va me rester donc 4 sur n, 3, fois la somme. Là, regardez cette somme-là, c'est la somme des carrés, avec un changement d'indice, je vais donc, c'est au lieu de k moins 1, je fais k, et je change les indices. K, il va commencer de 0, donc 0, ça n'ajoute rien. Disons qu'il va commencer de 1, il va s'arrêter à n moins 1. Une simple formule de changement d'indice. Je vous laisse copier ça, on revient à tout. Alors, continuons ce calcul. Alors, je vous rappelle que la somme de k carré, donc là, c'est une formule qui est connue. Donc, là, si j'arrête à n moins 1, ça va vous faire n moins 1. Fois le suivant n plus 1 fois 2 fois ça plus 1. Ce qui va me faire ce calcul-là de n moins 1 sur 6. Juste s'il vous plaît, c'est une vérification. Ça. Vous l'avez fait à maintes fois. Donc ça va me faire n au carré moins n et puis facteur de 2n moins 1 sur 6. Le tout sur 6. Bien. Alors pour gagner du temps, je vous dis que le calcul final que vous allez trouver, ça va être 10. Sur 3, et là une constante c'est moins 2 sur n, et là finalement plus 2 sur 3n au carré. Voilà le Sn. Bien sûr, je vous demanderai, chers élèves, de refaire les calculs parce que c'est formatif pour vous. Il serait très simple de vous donner une formule de calcul et c'est tout, mais là, ça vous le savez bien, il faut l'objectif noble des mathématiques, c'est d'aller à comprendre l'idée de qui génère le concept. Donc je vous laisse le soin de vérifier aussi que grand A, il est majoré par le grand Sn que vous allez évaluer. Vous allez trouver 10 sur 3 plus 2 sur n plus 2 sur 3n. Ce sont des calculs intéressants à faire. On le fait au moins une fois et puis vous avez compris. Alors maintenant regardez. Riemann, il faisait comme ça. Maintenant, il va faire tendre le n vers l'infini pour que j'ai dit le pas de la subdivision tend à devenir nul. Et là, vous voyez que ceci, il va tendre vers 10 sur 3. Et que ça, il va aussi tendre vers 10 sur 3 pour dire finalement que A, modulo l'unité d'air, c'est 10 sur 3. Et bien sûr, on ne serait pas surprenant si on calcule l'intégrale de cette fonction-là entre 0 et 2, qui est de 1 plus 1 demi de x au carré dx qui est bien égal, tout calcul fait, à 10 sur 3. J'espère maintenant, si vous avez bien construit cet exemple, le fondement général, ça serait une conséquence immédiate. Bien. Alors, essayons maintenant de synthétiser. Théorème. Je suppose que f est continu sur l'intervalle AB. Et soit xk une subdivision régulière de cet intervalle. C'est-à-dire là, les xk sont à pas égal. Alors là, le k il va de 1 jusqu'à n. Nous avons vu dans l'exemple de la parabole que nous avons là la somme minorante, si vous voulez, là c'est la petite somme, et qui correspond à celle des rectangles à l'intérieur. Alors là, sur l'autre côté, la somme majorante, c'est ça. Là, c'est le Sn. Nous allons faire le graphe ici tout à l'heure. Et nous avons vu, donc, nous allons essayer donc de bien voir, intuitivement et mathématiquement, que la différence entre Sn et Sn à l'infini, c'est 0. Et par suite, conclusion des théorèmes, ça sera que
on a limite de Sn, c'est la même chose, l'infini, c'est la même chose que la limite de grand Sn, et c'est la même chose que l'intégrale entre A et B de f de t dt. C'est une formule très utile. Donc là, le n tend vers plus l'infini, et là, le n tend vers plus l'infini. Une fois qu'on a achevé la preuve, vous aurez en main une formule qui va vous permettre de donner la somme de la limite de quelques sommes en fonction de l'intégrale. Mais avant de passer aux applications, finalisons cette idée-là que nous avons dit par une petite preuve. Alors bien, donc achevons l'illustration de ça. Donc là, vous regardez que les rectangles rouges, la somme de ces aires rectangles rouges constitue la borne sud, c'est-à-dire le major. Et alors que les aires des rectangles verts à l'intérieur, ça constitue la borne petit Sn. Donc là, pour avoir une idée sur le fait que Sn et petit Sn sont à l'infini sont les mêmes, regardez bien. Si je calcule la différence Sn moins petit Sn, là, regardez-là. Finalement, ça va me donner quoi? L'aire des rectangles rouges à l'extérieur moins les aires intérieures. Ça va me rester ces différences-là. Voilà un petit rectangle. Ce petit rectangle-là, alors voilà le suivant, voilà l'autre, etc. Donc là, si je continue ici, voilà un deuxième, etc., etc. Finalement, vous voyez là que si ces rectangles-là, je les accumule dans ce côté-là, ils vont me constituer quelque chose de l'ordre. Ça serait un rectangle, parce qu'ils ont tous, la même largeur. Ça serait presque un rectangle qui est celui-là. Donc, il est de largeur, toujours, le pas de la subdivision qui est B-A sur N, et qui est de longueur, cette longueur-là, c'est tout simplement F de B moins F de A. Donc, disons, si je ne me trompe pas dans les calculs, ça va me constituer donc, un rectangle, disons, pour être sûr, qui serait majoré par quelque chose de cette forme-là, K sur N. Étant donné que c'est positif, donc c'est que cette limite-là, elle est égale à 0, ce qui justifie encore une deuxième fois que les deux limites descendent de Riemann, c'est exactement l'intégrale. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant aux exercices. Alors, terminons cette séance par des applications. Voilà la première application et voici la deuxième application. Donc, s'il vous plaît, faites une pause à la vidéo et puis calculez à la main ces deux limites. Je suppose que vous allez le faire. Moi, je vais continuer. Bien. Alors là, pour cette première, on va l'appeler donc, disons, AN. Alors pour ne pas répéter à chaque fois toute l'expression, il faut maintenant essayer de bien voir quelle est la limite à laquelle on applique, la formule de Sonder-Riemann, et puis quelle est la fonction convenable et quel est l'intervalle. L'intervalle, on voit ici qu'on a B-A sur N. Donc je peux dire déjà que je peux prendre l'intervalle 0,2. Sinon, je peux considérer moins 1, 1. Ça dépend. Donc un intervalle qui va convenir de longueur 2. Et puis ma fonction. Ma fonction, là, vous voyez que si j'ai pris 0 à 2, donc je dois commencer de quelque chose. Donc, si vous voulez, là, je peux considérer que cette expression-là, elle est de la forme, tout simplement, ME de moins 1 fois E de moins 2K sur N, pour simplifier. Donc là, ça me fait apparaître donc le F de XK. Parce que mon XK, le XK c'est tout simplement 2K sur N. Et donc ma fonction, il suffit donc que je prends F de X, c'est E moins 1, voilà la constante, et multiplie par l'exponentielle, alors là, 2 moins X. Voilà donc ma fonction convenable, voilà mon intervalle, voilà mon Sn. Là, je somme, j'ai dans cette forme-là, le An, il est de la forme B-A sur N, avec BC de A égale à 0, donc là, fois une somme de F de, alors le XK.
le xk, c'est le x0 plus k fois b sur n. Donc, alors là, k allant de 1 jusqu'à n. Donc, d'après mon théorème, donc je vais continuer ici. Donc là, la solution, je la continue ici. Donc, la limite de ma somme, d'après le théorème de Riemann, donc limite de AN, c'est tout simplement, c'est l'intégrale de 0 à 2. Et là, je fais intervenir ma fonction, c'est e de moins 1 fois e de moins x. Je vais comme ça pour simplifier. Et ça, bien sûr, il va s'intégrer, là, le e moins 1 constant, il sort. Donc, il va s'intégrer en e de moins x entre les bornes 0 et 2. Là, je finalise mes calculs, ça va me donner 1, donc e de moins 1, 1 moins e de moins 2. Finalement, c'est e de moins 1 moins e de moins tau. Donc, faites s'il vous plaît maintenant la deuxième question. Bien, alors pour ce dernier exemple, là encore, on va chercher quelle est la fonction qui est convenable. Là, je commence donc par isoler ces choses-là. Je vais avoir, donc je vais écrire que ça c'est la même chose que il y a le 1 sur n, c'est mieux de l'isoler. Donc le 1 sur n, et puis là il y a le k sur n fois racine carrée de 1 moins k sur n, le tout au carré, comme ça pour nous aider à bien voir la fonction. Alors donc maintenant ma fonction c'est x racine de 1 moins x au carré, donc je prends cette fonction là, x racine de 1 moins x au carré. Et mon intervalle là, qui vient de là, il est de longueur, donc il n'est pas 1 sur n. Prenons par exemple, je peux prendre l'intervalle 0, 1. Donc ma fonction, celle-là, elle est bien définie ici, dans mon intervalle là. Et ces sommes-là, ça correspond bien aux sommes de Riemann. Donc je peux immédiatement dire que la limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, d'après le théorème de Riemann, c'est exactement, ça me fait 0 jusqu'à 1, les bornes A à B. Et là, ma fonction, c'est racine de 1 moins x au carré dx. Maintenant, il reste à calculer cette intégrale-là. Alors là, cette intégrale-là, pour vous aider un petit peu, donc si j'imagine que j'ai ça, que j'ai ici 1, et là, pardon, si j'ai ici x, et là c'est 1, et je forme ce rectangle-là, ce triangle rectangle, alors le changement de variable, ça, c'est racine de 1 moins x au carré. Donc là, vous voyez que si je pose le x égal, là, si je calcule le cosinus, alors x égale cosinus de t, vous le voyez ici, entraîne que directement, donc, que quoi? Alors, donc, x égale cosinus de t. Ça paraît que x égale cosinus de t, ça pourra marcher. Parce que là, cette quantité-là, racine de 1 moins x au carré, c'est tout simplement sinus de t. Quand est opposé sur l'un. Mais quand même, vous n'êtes pas censé faire tous ces calculs parce que ce n'est pas nécessaire. Mais ça vous guide un petit peu. Ça justifie en quelque sorte. C'est bien de s'habituer à faire des dessins explicatifs. Bien, maintenant mon intégrale ici, cette intégrale-là, il devient tout simplement, donc il devient, ça c'est le changement de variable, donc je vais avoir moins sinus de t dt, ce qui vient de là, les bornes, là pour x égale à 0, donc cos de t, donc là c'est pi demi, et pour x égale à 1, là, donc le t c'est 0, et je remplace le x. Le x c'est combien? Nous avons dit le x c'est cosinus de t. Et le racine carré, la racine carrée de 1 moins x au carré, nous avons dit donc sinus de t. Donc ça va me faire ça. Et finalement, ça va me donner, après changement des bornes, ça va me faire donc moins, donc pardon, sinus carré de t. Sinus carré de t fois cosinus de t dt. Et là, je remarque que j'ai une fonction, la dérivée de la fonction fois la fonction au carré, je peux faire les calculs. Mais là, pourquoi j'ai fait tout ça alors que c'était aussi possible de le faire directement? Ça pour vous dire qu'il faut toujours faire attention. Hein?
Il est un grand mathématicien, c'est Arnold, c'est un mathématicien russe. Lorsqu'il enseigne, il fait exprès quelque chose pour voir si ses étudiants le suivent ou non. Mais bon, là, c'est une manière de faire, oui, mais c'est pas nécessaire. Alors là, je reviens à étoile, la calculer directement. Là, vous voyez que je peux faire là 1 moins x au carré à la puissance prime fois racine carrée de 1 moins x au carré dx entre 0 et 1. Quitte à faire le petit changement, je multiplie par moins 1 demi pour qu'il reste le x fois. Et là, la primitive, il est usuelle, j'ai u prime fois u à la puissance 1 demi. Ça va vous faire directement moins 1 demi, donc 1 moins x au carré à la puissance, donc 1 demi plus 1, c'est 3 demi, multiplié par 2 tiers. Et là, c'est entre les bornes 0 et 1. J'espère ne pas commettre d'erreur, donc le 2, il va s'en aller avec le 2. Le moins, ça revient à faire le calcul pour 0. Donc ça va me faire donc 1 tiers. Donc, le 0 là, il est remplacé. Donc, c'est un tiers. Je vous prie, chers élèves, de refaire ces calculs-là, de refaire donc les étapes qu'on avait faites pour bien comprendre, parce que l'objectif, je le redis, c'est comprendre. Une fois que vous avez compris, vous savez exprimer la chose avec vos propres mots, comme dit le grand mathématicien Feynman, alors le tout va être très simple, et ce serait des applications. Bon courage et à bientôt.